Le lycée Raymond Tarcy est un établissement situé à Saint-Laurent-du-Maroni, à la sortie de la ville dans le quartier malgache. Construit en septembre 2009 en tant que lycée professionnel, il est devenu à la rentrée 2018 un lycée polyvalent et accueille aujourd'hui chaque année un peu plus de 900 élèves. Cet établissement dispense des formations générales et professionnelles. Celles et ceux qui choisiront la filière générale auront le choix de plusieurs spécialités en première et terminale comme mathématiques, physique-chimie ou encore sciences de l'ingénieur. Par ailleurs, l'établissement propose la spécialité EPPCS, éducation physique, pratique et culture sportive. Il est le seul à le proposer dans le bassin de l'Ouest guyanais. Il est aussi le seul à proposer l'option cinéma. En seconde, première et terminale, les langues proposées sont l'anglais, l'espagnol, le portugais et le néerlandais. La filière professionnelle compte plusieurs secteurs et fait la force et la diversité du lycée Raymond Tarcy. Répartis en trois grandes catégories, vous pourrez y retrouver le secteur des métiers du bâtiment avec par exemple les CAP électricien, peintre applicateur de revêtement ou encore le bac pro études modélisation numérique du bâtiment. Le secteur du tertiaire quant à lui propose des CAP et bac pro autour du commerce et de la vente. Pour finir, le dernier secteur est celui de la maintenance des véhicules et du matériel avec des CAP et bac professionnels allant de la maintenance du matériel des espaces verts à la maintenance des véhicules particuliers et de transport routier. Ce dernier, le bac pro MVB, est une formation que Dylan Saint-Martin, élève en première, fait par passion. Depuis petit, j'ai toujours voulu faire mécanique poids lourd. Vu que j'ai pratiqué avant avec ma famille, bon, pendant les vacances je travaillais avec eux. Donc depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Un élève de 3e qui ne sait pas ce qu'il veut faire, plus tard, si par exemple il aime les courses de voiture, de se former dans la mécanique voiture pour puisse reproduire ce qu'il veut faire et surtout de faire ce qu'il veut et de ne pas faire un métier qui ne correspond pas, de faire un métier qui correspond.